taille. Chérie, appelle-moi NIS avec une jointe dans le URUS. Toujours sur moi, une quiche épaisse. Je me fais péter en excès de vitesse. Je marche avec Dieu, mon chasse, mes putains de crises d'angoisse. Tant que les briques s'entassent, tant que les briques s'entassent. Les gars, j'ai fait du sport à la maison aujourd'hui. Parce que hier, j'ai laissé Titch toute la journée à la maison, j'avais pas envie de le laisser seul. Mais je comprends pas les gens qui font du sport, vous êtes des ouf, ça fait mal et tout. Pourquoi vous y retournez? Vous êtes des masos, mais je regrette en fait. C'est la vie qui fait mal. En vrai, le sport. Bref, là, j'en profite, je fais une petite pause. Parce qu'après, j'ai vite fait faire une petite séance d'abdo. Mais je voulais vous parler un peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis peut-être un peu moins présente sur les. Je prends beaucoup de temps pour répondre aux messages, aux appels, etc. Et j'ai besoin d'en parler pour voir s'il y avait d'autres gens dans mon cas, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans un mood où, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas les autres à penser aux autres. Et au final, bah, la vérité, c'est qu'il reste pas grand-chose, puisque les gens, généralement, ils sont très vite ingrats. Et tu peux faire 90% ou 10%. Donc au final, dans la finalité, bah, tout ce qui te reste, c'est toi, et tes regrets, si je puis dire, parce qu'au final, tu regrettes jamais d'avoir fait du bien. C'est vrai que j'ai passé beaucoup trop de temps à me consacrer sur des choses qui finalement étaient un peu futiles. Et en fait, j'ai pas voulu prendre le temps de savoir qui j'étais, de me concentrer sur moi. Parce que dans mon travail, j'ai un peu l'impression que si t'es pas là une semaine, ou si tu décroches un peu des réseaux, c'est comme si tu perdais tout et qu'on t'oubliait. Et ça, c'est une pression que je ressens de fou, finalement. Parce que aujourd'hui, c'est mon travail. Et c'est plus que mon travail de ma vie qui se réalise petit à petit. J'ai tellement peur que de tout perdre. Parce que voilà, parce que j'ai décidé de ne plus faire de télé-réalité. Parce que aujourd'hui, j'ai pas l'impression que. J'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre juste pour fonctionner. J'ai pas non plus envie de faire l'hypocrite et de sortir H24 avec des influenceurs dont au final je m'en fiche parce que on n'est pas forcément amis juste pour avoir du buzz. Aujourd'hui, les gens avec qui je traîne, influenceurs ou pas influenceurs, sont des gens que j'aime ou des gens auxquels je tiens sincèrement. Enfin bref, du coup, en fait, j'essaie de trouver une stabilité à travers moi-même déjà parce que j'ai pas envie que ça repose sur qui que ce soit. Je veux vraiment me sentir stable. Du coup, déjà, j'ai pas forcément contrôlé ni géré. Vous savez, parfois, t'as beaucoup de colère ou d'incompréhension, de tristesse. Enfin, ça mélange de tout et que tu sais pas trop comment gérer. Et honnêtement, que ce soit aussi bien la méditation que le sport m'a beaucoup aidé. Récemment, je fais du sport depuis quelques jours, donc tranquille, la meuf, elle va s'inventer une grande vie de sportive. Non, mais c'est vrai que voilà, déjà, la méditation, ça fait quand même quelques temps que je la pratique. Et honnêtement, l'attraction, le fait de manifester, pour ceux qui connaissent pas, on peut en parler si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire une vidéo complète là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Et je pense que voilà, en ce moment, j'essaie vraiment de me concentrer sur le travail, de voir aussi à travers ma vie, à travers ces changements, à travers par exemple la prise du sport, passer du temps à faire de l'art, pas forcément des choses que je sais faire, on s'en fiche, je sais que tu saches le faire ou pas. Mais moi, j'adorais dessiner, donc j'aimerais bien commencer à peindre, parce que j'ai jamais dessiné, reprendre un peu la danse intensivement. Donc toutes ces choses me font du bien. C'est vrai qu'en ce moment j'ai aussi un peu peur, comme je vous l'ai dit, par rapport à mon travail, puisque c'est aujourd'hui mon rêve, genre mon rêve c'est mon travail, c'est cette collection de vêtements, surtout c'est cet amour et de la surprise et de la vie. Et moi j'adore ça, c'est pour ça que je me suis accrochée toute ma vie, c'est pour me dire aussi bien il y a des surprises dans le mal, aussi bien. C'est vrai que je n'ai pas non plus choisi le métier, oui, parce que c'est un métier, même si beaucoup en doutent. À ce jour je dois payer des charges, j'ai une société et j'ai des employés, donc c'est un travail. Mais que tu sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, etc. Tu te dis, mais en vrai, qu'est-ce que j'ai de plus? Est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce que je suis importante? Et on en revient au même point que j'avais dans la villa des cœurs brisés, c'est que j'ai ce besoin d'être au centre du monde. C'est un peu le syndrome de l'enfant abandonné, finalement, où tu te dis, mais je ne suis pas si importante, qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Et au final, tu es toi, et être toi, c'est ta plus grande force, et peut-être que d'autres gens vont pouvoir s'associer à toi. Donc bref, n'aie pas peur d'être toi, ne te compare surtout pas aux autres. Au contraire, deviens la meilleure version de toi-même. Et genre, il y a toujours des gens qui vont te dire comment mieux gérer ta vie, comment mieux gérer tes relations, comment mieux gérer ton travail. Genre moi, par exemple, je vous dirais même pas le nombre de fois où on m'a dit mais tu devrais faire la rigolote, faire la bébête, faire des TikTok qui font le buzz et tout. Moi, je pense qu'au contraire, je préfère rester moi-même depuis le début. Je préfère que les gens me suivent pour ce que je suis moi et que quand j'ai des doutes, je vous en parle. Quand je suis heureuse, je vous en parle. Triste, je vais pas venir chez vous vous demander un mouchoir, mais je vous en parle de temps en temps, pas tout le temps, mais je vous en parle. Je pense qu'au contraire, être juste un humain
Dans un monde comme ça, moi, je vous jure, de base, je n'étais pas, jamais j'étais préparée à me voir à la télé, me juger, etc. Non, j'étais juste une petite meuf qui, quelques années auparavant, était en foyer, qui aspirait à de grandes choses, mais qui n'avait pas du tout les bagages. Et aujourd'hui, ma foi, il y aura toujours des gens pour vous dire quoi faire, comment être, dans votre de mettre comme une sorte de personnage, mais ils n'ont pas compris que j'étais pas Hannah Montana en fait. J'ai pas envie d'être quelqu'un sur les réseaux et quelqu'un dans la vraie vie, même si évidemment, la communauté. En parlant d'honnêteté, vous avez été beaucoup à me demander, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse, professionnelle en ce moment, etc. T'as miaulé de vous parler de mes nouveaux projets qui arriveront, j'espère, je croise les doigts, et de ma collection. Donc voilà, pour en déduire, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de crush, il n'y a pas de groupe d'amis. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, c'est peu de personnes, mais fiables. Je préfère mille fois, à savoir que ça fait un petit moment que je suis célibataire maintenant. Donc voilà, bah, disons que je vais rester seule parce que c'est comme ça que je me sens bien et que j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas une fatalité d'être en couple, c'est pas comme ça que t'es heureux, c'est pas genre ah, tu cherches quelqu'un. Non, c'est une volonté, je suis très bien seule. Donc j'ai décidé de rester seule, de me concentrer sur moi, sur mon développement personnel ainsi que sur mon travail. C'est toute la possibilité de choses qui. Enfin, toutes ces portes qui peuvent s'ouvrir et une belle vengeance sur la vie. Donc voilà, merci de me soutenir, merci d'être là. Ella quiere que la haga suda, 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 suda. Ella quiere. Drippin' DB9, Barbie whippin'. If he say he don't want me back, he'd be lying.